Coucou les filles, ça va? Coucou papa, coucou les petits copains, les petites copines, tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais, Ellie? Je fais des ingrédients. Mais tu manges? Mais oui. Des ingrédients. Elle fait des ingrédients. Eh oui, les petits copains, les petites copines, c'est le matin, on fait une petite morning routine. Oui, oui, il n'y a pas longtemps qu'on est debout. Alors on a préparé un petit peu la table, vous voyez, alors le matin, voilà ce qu'on mange. Alors des croissants, des pains au chocolat. Ah, tu veux nous montrer comment t'es habillée? Oui, parce qu'Ellie a absolument tenu à s'habiller avant de passer à la vidéo. Alors regardez, waouh, magnifique. T'as des chaussettes. En bas, il y a des chaussettes. T'as des super chaussettes très moches. Faut le dire. Ouais, elles sont pas terribles, les chaussettes. On vous dit la vérité. Toute la vérité. En même temps, on ment pas sur cette chaîne. En même temps, les chaussettes, ça se met dans les chaussures. Hein. C'est pas grave. Il y a des petites fourmis. Elle adore. Elle aime bien les trucs. Bon, très bien. Bref. Alors, je disais, nous avons donc des croissants, des pains au chocolat. Regardez comme ça croustille. Ça donne envie, j'ai trop faim. On a du pain, on a du pain de mie. Alors, ça, c'est plus de la brioche tronchée. Elle a commencé. Ah, c'est maman ou c'est toi qui a commencé? Menteuse. C'est sûr, je crois que c'est toi. C'est elle. Alors, on a des bols, bien sûr. Dans les bols, on met du lait, du bon lait Viva. On met aussi du Nutella parce qu'on est un peu des gourmands quand même. On peut mettre du Nesquik. Pourquoi t'as pas sorti le Nesquik? Oh, j'ai oublié le Nesquik. Moi, j'irai chercher le Nesquik. On peut mettre aussi de la confiture. Maman, elle boit du café. Du café. On a aussi du jus de fruits. Moi, j'ai du café. T'as du café, toi? Toi, t'as rien encore. Hein. Et on peut avoir aussi des céréales. Mais aujourd'hui, c'est plus boulangerie, on va dire. Hein. Moi, j'avais envie de brioche tranchée, un peu grillée, un peu chou. D'ailleurs, on a un dilemme de nous, hein, dans cette famille. C'est qu'on est quatre, il y a Lana, mais bon, elle dort. On crie un peu, ça va la réveiller, c'est pas grave. Donc le problème, c'est qu'on est quatre et on veut tout le temps les brioches tranchées, grillées en même temps. Et on a un toaster, hein, un grille-pain, qui ne fait que deux tranches à la fois. Donc on est embêté parce qu'il y en a toujours qui sont obligés d'attendre. Alors je sais pas comment on va faire aujourd'hui pour faire 4 à la fois. Comment on peut faire? Bon, on verra après le générique. Comment d'attendre? Ouais, allez, on lance le générique puis on verra si on a une solution après. Hein. J'ai peut-être quelque chose moi. Hein. Ouais. Allez, qui c'est qui me lance le générique? Jotita. Jotita. Générique. Caca de front. Caca de front, c'est nouveau ça. Caca de zeuil. Caca de zeuil. Eh ben allez, caca de zeuil. Caca de zeuil. Les petits câlins du matin, les petits câlins du matin. Oh, le petit câlin du matin. Alors oui, on va le griller ce pain. Alors j'ai quelque chose pour vous. Regardez ce qu'on a reçu par la poste. Babam, giga cadeau. C'est un cadeau, ouais. Alors c'est un gros colis. Eh ben écoutez, ouvrez-le et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Je vais ouvrir tout de suite. Allez, vas-y maman. Vas-y maman, ouvre-le. Alors vas-y. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est un colis Amazon. C'est un grille-pain. Oui, vas-y maman, sors-le. Je vire le carton qui nous gêne. Allez, trop bien, il y a quatre entrées. Oui, il y a quatre fentes. Effectivement, on a quatre fentes pour mettre donc quatre toasts à la fois, quatre brioches tranchées. Donc fini les embrouilles le matin de c'est mon tour, non c'est à moi, non c'est mon tour. On va pouvoir griller nos brioches en même temps. Ça va être génial. Nos brioches. Et je pense qu'on peut aussi jouer à décongeler. Ah cool. On va congeler. Et allez, réchauffer. Sortez-moi là, je vais voir à quoi ressemble. Hecoq. Hecoq. Donc c'est un produit qui nous a été envoyé par un vendeur pro. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver ce produit. Alors bon, c'est un placement de produit, hein, vous l'avez compris. Ellie, elle adore. Regardez. Waouh, il est magnifique. Allez, c'est pas tout. Hop, ça y est, on y est. Il est argent. Attends, mais il fait miroir aussi. Il fait miroir? On peut se maquiller dedans le matin. Mais c'est trop bien. C'est vrai, il est chouette dedans. Il a un look rétro. Il est magnifique. Il est super chouette. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a les quatre entrées, c'est ça? Ouais. Ah, mais est-ce que moi, je me vois dedans? Je vais voir si je me vois dedans, moi. Ah oui, je me vois dedans, regardez. Ouh. Vous allez voir tout le bazar chez nous. Alors. Non, c'est une par 30. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Déjà, faut le brancher. Déjà, faut le brancher, oui. Moi, je voudrais qu'on regarde un petit peu la taille des entrées. C'est énorme, on va pouvoir mettre des grosses tranches. Oui, on peut mettre le pain là, comme ça, parce que le pain, ça passe jamais. Oh, c'est top. Alors, et qu'est-ce qu'on a en bouton? Là, t'as réchauffé. Ouais. T'as chauffé. Ouais. Si tu veux faire griller. Et ça, c'est pour décongeler.
Et là, et t'as l'intensité, tu peux aller jusqu'à 7. Et ça, c'est pour baisser les pains pour les faire griller. Oui, ma puce. On va le brancher. Oui, bon, ce que je fais, je coupe, ouais. On va brancher tout ça et on se retrouve oui, tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici avec l'appareil branché, les brioches tranchées installées et Mamounette et Ellie qui surveillent je sais pas quoi. Ah, elles se regardent dedans. C'est ah, d'accord. Oh, les narcisses, j'y crois pas, elles se regardent dedans comme ouais, un miroir. C'est bien. Bah écoutez, regardez-vous, moi pendant ce temps, je vais lancer ça. Alors vous voyez, j'ai mis les 4 brioches tranchées. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est baisser. Hop, ça se met en route. Ici, je règle l'intensité de la chauffe, je vais mettre au milieu hein, et je vais baisser les deux autres et tac, c'est parti. Donc là on a un minuteur qui se met en route tout seul et au bout d'un moment ça va sauter. On l'entend? Moi j'entends rien hein. Donc ça va chauffer et on va avoir des brioches bien grillées. Alors j'ai mis au milieu, on verra bien ce que ça donne. Donc on attend que ça chauffe. Alors je mets la main, ah oui, ça maman ça chauffe. Et ça peut faire radiateur. Pour l'hiver, le jour où il fait froid, radiateur. Donc là, ce que je voulais dire, on peut le mettre dehors, ça réchauffera la planète. Mais je crois que c'est pas bien de réchauffer la planète. Hein. Je crois qu'il y a le réchauffement climatique, c'est pas terrible. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'à tout moment, on peut arrêter la chauffe. Si on estime que le pain est assez grillé, il suffit d'appuyer sur, alors je sais plus, je crois que c'est ce bouton, et ça saute. Oui, ma puce. Oh, je t'aime aussi, mon bébé. Ça, c'est quand Ellie, elle sait plus quoi dire. Elle dit, papa, oui, je t'aime. Oui, ma puce. C'est une robe d'été, on est un peu en hiver. D'été, ouais. Ouais, alors, Ellie, là, en ce moment, elle a une maladie, c'est s'habiller en été. Elle adore. Elle adore ce t-shirt en plus. En été, si elle pouvait en avoir 10 comme ça. Alors, moi, je sens déjà les bonnes odeurs. Hein. Je sais pas, toi, maman. Regarde la fumée qui On voit de la fumée un petit peu. Bah oui, ça grille. Bien griller. T'as mis sur combien, là Je l'ai mis à moitié. Tu penses que c'est bon, là? Je sais pas. Ça doit sauter tout seul, mais on peut l'arrêter avant. Hein. Si j'ai mis trop fort, je vais baisser un peu le thermostat si tu penses que c'est trop fort. Ça dépend si t'aimes bien brûler. Non, moi j'aime pas le brûler, moi j'aime le griller, moi. Si t'aimes bien quand c'est bien brûlé. Tu veux que je l'arrête là pour voir? Apparemment, il me semble pas mal, hein. Je pense Allez, que je peux le faire sauter. Alors, je sais plus sur lequel faut appuyer. C'est pas ça, non. Hein, je sais plus. Tu les remontes tout bête. Je les remonte. Ah oui, ah ben voilà, c'est ça, maman, tu avais raison. Donc là, ça a sauté. Et là, on va regarder l'état. Oh, alors ça, c'est au top. Ouais, mais là, elles sont parfaites. Oh, elles sont parfaites. Mmh. Oh, c'est chaud, ma puce. Attention. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Sans la puce. Les petits copains, on va se régaler ce matin. Mmh. Donc voilà, vous voyez, en une minute, combien ça a duré? À peine une minute. Ah. On a obtenu des pains grillés. Mais alors, au top. Hein, c'est vraiment comme il faut. On prend un petit peu du Nutella. Ah oui, du Nutella. Alors. Pâte à tartiner au chocolat. Mais oui. Oui. Je sais pas si on a le droit de dire Nutella. Ben, on fait un peu des placements de produits en même temps en ce moment. Hein. Donc voilà, c'est le Nutella de Noël. Mmh. Et allez-y. Alors? On met ça. Tu ris? Tu ris. C'était mon petit 4 heures quand je revenais de l'école quand j'étais petite à la C'est vrai? Maman. Oui. Oh, vas-y, explique-nous. Oui, je tranchais pâte à tartiner au chocolat. Et aux noisettes. C'est là. T'en veux ma puce, tiens. Alors Ellie va se faire son petit toast. Alors moi, j'en mangerai après la vidéo. Hein. Je me retiens, là c'est dur. Hein. Là c'est très très dur. Hein. J'en ai envie. Si on veut mettre un petit croissant. Bah je pense que ça marche, mais il faut le couper. C'est trop gros ce que t'as acheté. Oui, il faut le couper, on peut mettre du pain. Et alors le top c'est qu'on peut mettre... Merci ma puce, elle m'en donne. Hein. Le top c'est qu'on peut mettre des... Oh, à tes souhaits. On est encore toujours un peu malade, toujours. Donc ce que je voulais dire c'est qu'on peut mettre du pain qui est de la veille. Et tac, ça grille. Et alors là, c'est trop bon. Le pain redevient délicieux. Donc voilà. On gaspille pas. Et on gaspille pas. Donc voilà, les petits copains et petites copines, c'était une présentation. Alors c'est plus pour les mamans et les papas. Hein. Ouais. Mais bon. Et t'as oublié de montrer aussi. Là, on a deux petits tiroirs de l'autre côté. C'est des ramasse-miettes en fait. C'est des ramasse-miettes. Voilà. Ah ouais, c'est génial. On en a un ici et un ici. Oh top, parce que souvent ça reste dedans là et puis on sait pas comment nettoyer, bah là on a des petits tiroirs. Très bien. Donc les petits copains de copines et les papas et les mamans, voilà. C'était un toaster comme on dit au Canada, mais nous on n'est pas des Canadiens, donc on dit un grille-pain. Un grille-pain Ecoq. Je pense que c'est comme ça que se dit la marque, hein, Ecoq. Je vous mets, comme je vous ai dit, en barre d'infos, le lien pour retrouver ce produit. Vous trouverez le prix, toutes les caractéristiques. Nous, on adore, parce que franchement, il a un design qu'on adore. Il n'y a pas à dire. En plus, il est grand. Enfin, je veux dire, pour une grande famille, c'est super, quoi. Parce que deux par deux, il y en a 11 pas toujours. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas content. Non, c'est maman qui l'a fait.
qu'il a commencé, j'aurais mis. Oui, elle me rajoute du Nutella, j'en avais pas mis assez. C'est bon pour les kilos. Et là, Ellie, elle lèche le couteau, ce qu'il faut pas faire. Ah non, non, bon, c'est un couteau à bourron, hein, ça craint rien, mais ne faites pas ça surtout, ne faites pas ça. Donc voilà. Dans la bouche. Donc c'est un très bon produit. On vous l'aurait dit si c'était pas un bon produit. Hein. Là, moi, j'en suis très content. Je trouve que c'est super bien. Ouais, ouais. Bon, il est imposant, mais il faut ça hein, pour 4. Voilà. Allez, petits copains, petites copines, on vous fait de gros bisous. Soyez sages. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mangez du pain, mangez. N'oubliez pas de petit déjeuner, c'est hyper important. Très important. Surtout avec des céréales ou du lait. Surtout du lait. Buvez du lait, les enfants. C'est très, très bon la santé. Un yaourt, même si vous aimez pas le lait, on sait jamais. Un bon petit yaourt. Voilà. Un petit jus de fruits, les fruits. Les fruits, très important. Et puis des céréales pour tenir, que ça cale un peu le ventre hein, jusqu'à midi. Pour aller à l'école, quand on va à l'école, ça donne de l'énergie pour penser et se dépenser. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Mais... Non, mais je crois que c'est à la télé, c'est plus. Allez, on vous fait de gros bisous. On se laisse sur Ellie qui mange du Nutella. Nutella, 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 Nutella.